Initiée par l'association C'est qu'un sourire en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Population, la campagne de chirurgie de reconstitution faciale qui aura lieu à l'hôpital général de Luangili est à sa phase d'enrôlement. L'objectif, prendre en charge les malades souffrant du bec de lièvre en République du Congo. Oui, il faut dire que c'était une campagne que nous avons eu à lancer il y a quelques mois. Et vu son succès, nous avons décidé de reprendre une seconde campagne qui aura lieu précisément vers le 24 mars par là. Oui, l'enroulement a déjà commencé sur place ici. Et puis nous avons délégué un agent de telle sorte qu'il puisse se rendre un peu vers Tsamansasi et puis d'autres localités, de telle sorte que au niveau des CECI, au niveau de certaines structures sanitaires, ils puissent divulguer aussi l'information et puis que l'on puisse avoir un retour à ce sujet. La prise en charge des malades étant gratuite, l'ensemble de la population souffrante est conviée. Ce sont toutes personnes ayant des fentes labiopalatines, c'est-à-dire des ouvertures au niveau des lèvres, des maxillaires. C'est ce qu'on appelle à l'époque communément des becs de lièvre. Il faut retenir le caractère gratuit de cette campagne. L'essentiel de venir se faire enregistrer à l'hôpital général de Luandili au service de stomatologie et de chirurgie maxillofaciale. Ça concerne tous les enfants qui naissent avec ces malformations jusqu'aux adultes qui ne se sont jamais fait opérer. Ça prendra quelque chose d'une semaine à 10 jours. Communément appelée bec de lièvre, la fente labiopalatine est une maladie congénitale qui atteint les lèvres et le palais. Cette anomalie survenant au cours du développement fœtal est rectifiable grâce à une intervention chirurgicale qui permet de restaurer les différentes fonctionnalités de la bouche.